pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer 10 astuces qui changent la vie. J'espère que ça va vous plaire, j'ai essayé d'en trouver des qu'on trouve pas partout, il y en a au moins un obligé que vous connaissez pas. Je l'espère en tout cas que ça pourra vous servir, moi c'est des trucs que j'utilise quand même un petit peu au quotidien. Donc voilà, j'arrête de parler et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo, let's go. Pour le premier life hack, c'est quand vous avez un pot de Nutella vide, donc le mien il est quand même bien gratté, mais voilà, sinon il y en a qui les grattent peut-être un peu moins, j'en sais rien, voilà, chacun sa vie avec son pot de Nutella. Bref, je commence par mettre du lait dans une tasse, ensuite je vais la faire bouillir au micro-ondes, ensuite je la remets dans mon pot de Nutella, bah je remets le lait, bah vous voyez avec les images quoi, je remets le lait dans le pot de Nutella, décidément je vais pas y arriver. Ensuite, j'ai foutu du lait partout, sinon c'était pas drôle. Je suis venue vite fait mélanger et ensuite je suis venue fermer et pour éviter que ça déborde quand même parce que ça peut passer par le couvercle. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je suis venue mélanger mais genre sur les côtés, pas de haut en bas. Voilà. Et une fois que je pense que c'était bien infusé, je suis revenue remettre tout ça dans ma tasse et c'est bon, j'avais mon petit chocolat chaud et moi j'aime trop, c'est trop bon. Voilà. Ensuite pour le life hack numéro 2, c'est quand, je sais pas si vous aussi, mais la nuit moi je m'endors avec de la musique et pour éviter que ça tourne toute la nuit, je fais ça, donc je mets le minuteur sur le temps que je veux. Ensuite je sélectionne arrêter la lecture, je choisis pas une sonnerie et je fais démarrer et au bout de ce temps là la musique elle va s'arrêter et c'est trop trop bien. Ensuite pour le life hack 3, peut-être que vous le connaissez celui-là, il est un peu plus connu, mais c'est quand votre braguette elle descend tout le temps, vous prenez un anneau de porte-clés, vous le mettez dans la petite fermeture et ensuite on remonte, hop, on le passe dans le bouton et on referme, donc comme ça, ça ne se voit pas et la braguette elle peut plus descendre, voilà, c'est très pratique. Pour le quatrième life hack, c'est quand vous faites un calcul avec votre calculatrice, voilà, vous prenez 300 ans à le faire, machin machin, et que après vous vous trompez dans un nombre que vous devez rajouter, genre par exemple ici, vous avez juste à effleurer comme ça, les images elles expliquent mieux que la voix, et remettre, et voilà. Ensuite, pour ce life hack numéro 5, c'est quand vos t-shirts ils tombent des cintres parce que ça tient pas. On va faire genre les petits agripoires et pour ça on va les faire. Ça existe pas, c'est pas grave. On va les faire avec du pistolet à colle. Comme ça, on fait les petits bâtons là, hop, on laisse sécher. Et une fois que c'est bien sec, on peut remettre notre t-shirt. Et c'est sûr, ça pourra plus tomber vu que ça va servir d'agripoire. Voilà. Ensuite, life hack numéro 6, c'est, je sais pas si vous avez vu, parce qu'il y en a qui connaissent pas, c'est le mode nuit sur les iPhones. Ensuite, astuce numéro 7, c'est quand on a tous les mêmes clés et qu'on sait pas les reconnaître. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du vernis, donc des vernis de différentes couleurs, et j'ai peint mes clés avec de différents motifs. Bon, par contre, les miennes, je vous avoue, c'est très très moche, vous pourrez faire très facilement mieux que moi. Parce que c'est très laid. Voilà, on dirait un truc de maternelle. Mais c'est pas grave, vous ferez mieux, je suis sûre. Ensuite pour le life hack numéro 8, c'est pouvoir écouter la musique sur YouTube même quand l'application est fermée. Donc vous allez avec, cette fois-ci avec Safari et pas sur l'application. Vous allez sur YouTube, vous tapez votre musique, vous choisissez, hop là, vous commencez, vous la mettez en route. Une fois que c'est en route, vous allez pouvoir quitter l'application. Et là, c'est normal, à ce moment-là, la musique, elle va s'arrêter. Ça va plus y avoir de musique. Mais on va la remettre, on va hop descendre le petit onglet comme ça, on remet et ça marche. Et vous pouvez même mettre votre téléphone en veille, la musique, elle va toujours marcher, ça y a... Voilà, c'est trop pratique quand vous n'avez pas téléchargé la musique et que vous voulez l'écouter sans devoir laisser l'application. Pour le life hack numéro 9, ça je l'ai jamais vu encore, voilà. C'est pour faire des unidoses de produits, donc genre de shampoing, de gel douche, d'eau micellaire quand vous partez quelques jours. Vous avez juste à prendre des pailles, à brûler le bout comme ça avec une pince. Bah, les images elles expliquent beaucoup mieux.
pour genre faire une soudure. Ensuite, vous coupez la taille de paille que vous souhaitez. Voilà, ça c'est très simple, c'est le plus simple du truc. Vous remplissez avec le truc que vous avez envie, là, le... Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, merci, je trouve plus mes mots, c'est génial. Et ensuite, vous allez resserrer avec la pince et venir refaire fondre pour faire la deuxième soudure. Comme ça, quand vous partez en voyage, vous avez par exemple une dose. Ou même si vous partez 3 jours ou vous faites 3 doses, ça vous évite de prendre les grandes bouteilles. Il faut juste penser à prendre des ciseaux pour pouvoir les couper. Et les couper et les utiliser. Voilà, et vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez en faire autant que vous voulez avec tous les contenants que vous voulez. Le life hack numéro 8, 10 pardon, c'est un life hack que j'utilise assez souvent, c'est pour matifier un rouge à lèvres. Donc par exemple celui-là je l'aime beaucoup, mais je préfère le matifier, il rend mieux. Donc il suffit juste de mettre de la poudre libre dessus, voilà, de la poudre HD, et ça matifie. Donc là j'en ai mis énormément pour vous montrer qu'on peut vraiment matifier à fond, à fond, à fond. Mais si vous en mettez moins, ça matifie moins, voilà, bref. Vous verrez en fonction que de quand vous testez, vous apprendrez à connaître le truc. Voilà, bon par contre ça éclaircit un tout petit peu. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'elle vous aura plu. Merci à Charlotte et Lucie qui m'ont aidé à tourner. Parce que je trouve que le résultat n'est pas trop trop mal. Du coup voilà, je suis contente. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si y en a que vous connaissiez déjà, si vous en avez découvert. Tout ça, tout ça. Je vous laisse et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Salut!